comptent en commun Valérie Trierweiler, Anne Hidalgo et Jeanne Manson. Un intérêt pour la gastronomie. La preuve ce week-end puisqu'elles ont assisté à l'ouverture du Salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie, Sagastom. Babette de Rosière avait réservé quelques surprises à ses invités. Cette eau parle des expositions Paris Expo Porte de Versailles, dans le 15e arrondissement, que la 4e édition du Sagastom a accueilli ses visiteurs. Le salon a ouvert ses portes vendredi 1er février, jour choisi par Valérie Trierweiler pour en découvrir le décor. L'auteur et ancienne première dame récemment surprise au palais de l'Élysée avec Brigitte Macron et Carla Bruni, a été rejointe par la maire de Paris Anne Hidalgo, la chanteuse Nicoletta ainsi que l'acteur et comédien Smaïn. Smaïn y est retourné dimanche, jour de clôture du salon. Jeanne Manson était également présentée et a applaudi les lauréats des prix du salon remis par Babette de Rosière. Parmi ces récompenses figurait le prix Babette remporté par le chef Théodé Despet, représentant le restaurant Le Cordon Bleu, également situé dans le 15e arrondissement de Paris.